m'attendais à des révélations. J'étais sur le scoop. Dernière phrase, c'est on verra une autre fois. Dernier petit déj, les gars. Hein. Bon retour, Olivier. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Bah ouais, mon pépère. Ah ouais, bonne Thanès. Va chercher Thanès, mon gars. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous sortir comme connerie? Allez, gars, ouais. Et il y va en tongue ce matin? Ah, il va mettre ses chaussures, mon ami. Moi, je serais d'avis à pas trop tarder. Ouais, gros, on y va. Pas trop tarder, les gars, vous êtes prêts? C'est facile à dire, ça. Hein, tu sais, t'as en tête un truc, il manque quelque chose. Bon, mais je vais recoucher, les mecs. Là, ce matin. Non, c'est le téléphone qui n'est pas à sa place. Oh, merde. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Harry, ah, vous êtes bons tous les deux. Bien agréable. La chasse aux pèlerins est ouverte. Oui. Il y a des coups de canon qui partent à droite à gauche. Il y a un pas bien affirmé, bien petit, mais bien stable. Et il avance. Ah ben, il avance vachement. Ah, essuyez vos pieds pour pas en mettre sur la route, hein, c'est important. Je maintiens en forme, les gars. Profitez-en. Prenez un exemple, 300 km, mais toujours souriant. Si c'est pas beau, ça. Laurent, tu veux un michoco? Felsin. Ah, Felsin, oui, Felsin.
va avoir les oreilles qui sifflent. On a le droit à un quart d'heure de langue de pute. Ça grimpe, hein? Un petit peu plus bas là. C'est superbe. Alors c'est un chêne ça? Non. C'est quoi? C'est des feuilles de chêne ça? Oui. Bon, Laurent il a envie de faire une performance aujourd'hui. On lui a donné des bâtons supersoniques. On peut demander de l'eau. On peut frapper à la porte. Laurent, il a dû rentrer dans un bicoque. Hein. Il doit être en train de casser la croûte chez les gens. Il a fait réchauffer son aligot. Ouais, c'est sûr. Il en reste 8. À peu près. 8, ouais. 9. Ça, c'était bon ? Ouais. Et ils ont fait un sort. T'as découvert quelque chose? Non, bah ouais, c'est-à-dire que... Non mais je m'ennuie pas en vérité. Ouais, alors que je n'aime pas la marche. Ah. Il y en a qui... Ah regarde, il y en a qui font pas mal. Ah, il y en a qui a l'œil. Radar. Ah, dis donc. Là, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour l'église avec ça? La coquille de... On a dit 15 minutes.
peut-être. Vous avez vu quelqu'un ou pas? Non, c'est bien. Tenez qu'un au revoir, Stéphane, tenez qu'un au revoir. Tu nous manqueras, Stéphane, tu manqueras à toutes tes fans. Tu reverras Christine bientôt, tu reverras ta Christine. Et vous, ensemble, nous et nous revoilà et bravo. Le chemin sera moins joyeux sans notre ami Stéphane. Mais nous repartirons ensemble sur le chemin de Compostelle. Demain sera plus vieux, Stéphane, après ton départ, mon vieux. Tu resteras notre soleil, ne lumineux sous ton pilier. Merci, merci, c'est bien. Ça sera plus Saint-Jacques, ça sera Saint-Stéphane à partir de demain, ok? Alors, bon, allez, merci. Ah, tu le mérites. Allez, on peut bien, pote. Attention à toi. Ciao. Allez, ciao. Au revoir, Stéphane. Ça marche. Au revoir. Alors, merci. Tu vas aller vendre des châteaux et des mines. Faut mieux de revenir. Ciao. Ouais, Stéphane. Stéphane Bachot. Alors on veut le manet. Alors on veut le manet, et puis voilà. Et moi c'est la chambre de meunier. Hop. Sympa, hein. C'est à chaque fois c'est original, c'est pas standard, les mêmes choses. Le dernier est là. Bah, on arrive. Moi je prends du blanc aussi. Avant Kobe, vous aviez du bon. Merci. Tournez, c'est ça. Dans Beuge, quoi. Il y avait que des Français. Hein. Olivier Hérault. Olivier, oui, un petit peu, légèrement. Un bruit de fond. Légèrement, oui, légèrement. Un petit truc. Et donc, du coup, vous avez un petit guide à point quand vous avez un randonneur de dernière minute, oui. Non ah, ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est ce que je fais. On l'appelle le lit du curé. Le lit du curé. Sortez la messe. Elle m'a bien prévenu 2 jours avant. Oui, enfin, bon appétit, hein, merci. Merci. Il y a du sel. Le job. Hein. La cannelle. Ouais, la cannelle. Non, on mange des crêpes. Des crêpes à la cassonade. Les fruits, vous les faites à quoi? Oh, la pâte de bœuf, monsieur. Ah, au gras bœuf. Oui, à Pijac, c'est pas le. C'est Biloute. Encore Biloute, ouais, c'est mignon, mais il y a certains endroits, c'est pas Biloute, c'est Biroute. Ah, Beyrouth. Tout je t'équipe et je dis just Beyrouth, dance my, just Beyrouth, dance my, just Beyrouth, dance my. Tout je t'équipe et je dis just Beyrouth. Mais tout ça, c'est le carnaval de la guerre, quoi. Oui, les défilés, là. Il y a les orchestres et tout ça. Ça doit être terrible. Et après, on recule, on avance. Il y a des mouvements de foule. Ah, ouais.
19h47. Comme hier. On est assez précis quand même. Oui. Tout droit. Merci beaucoup. Merci. Le dernier ferme la porte à cause du chien. Hein? Je crois qu'ils ont l'habitude d'être nourris. Ouais. Moi je t'emmène. Je te mets dans mon sac et je t'emmène. Ouais, voilà. Super bon en tout cas. Tu as vu cette tête? Tu descends? La vedette. Oui, tu parles de toi, hein. T'es vachement modeste. Ouais, et attends, ouais. Je vais pas jusqu'au bout. Hein. La croix de Jordi, 300 mètres. La main, c'est cool, mais c'est pas gros, t'as un bon morceau de barbe. Ah, elle t'a vu un peu, Luc. Ils ont hésité, ils m'ont laissé faire 100 mètres, ils se sont dit, on le laisse ou pas? Et puis, la rédemption, conque, les églises, ils se sont dit, notre croix risque d'être lourde. On le garde quand même. Voilà. Amen. Amen. Salut, elle tourne. Vas-y. Ouais, je pense que c'est arrivé vers le 10 juin à peu près. Ah oui. Ah oui, vous avez un bon programme alors. Ouais, je pense. Ah. Je sais pas trop idée, je sais pas. Mais... Et vous l'avez déjà fait tout le trajet là? Non. Jamais? Très long prochain. Voilà. Voilà, on est parisiens, mais il y a deux skis avec nous là, les deux là. On a accepté de les prendre quand même. Ouais, je me disais bien, on les regarde. Ah voilà, en les regardant. Ah bah au gîte, il y avait un ski aussi, qui habitait. Là, vous avez dormi où? Parce que je vous vois avec votre tapis de Jacques. À Figeac, ouais. Mais je campe aussi, ouais. Ah, ouais. Et vous avez votre tente aussi? Ouais. Là-dedans, la tente. Il pèse combien votre sac? 12 kilos. Moi j'ai eu 13 l'an dernier, je me suis abîmé les genoux. Oh. C'est de la chance. Peut-être parce que je marche depuis très. Je suis adolescent, peut-être. Non, pour l'instant, ça. Ça va, tant mieux, tant ça mieux. Ça tient le coup. Tant mieux. Ça va, mon cher? Ça l'air épanoui. Très bien, très bien. Doucement. À mon rythme. Stéphane et Olivier, vous nous avez apporté le soleil dès le matin et pour la journée. De plus, le terrain est plat. Vous revenez pour l'hôtel 3 étoiles à Cajar. Bonne journée. Il commence à bien mouiller là. On a bien fait. Ah oui, oui. Alors on est soigné, on est guéri, on est dans nos ménages ce soir. Je fais des petits trucs. Je crois qu'il y en a qui vont pas s'en remettre ce soir de cette espèce de premier déconfinement. Oui. Mmh. Le soleil dans
vais chercher le moindre petit plat. Que des bonnes choses. Ouais. Alors, on fait 7 avenue Jean Jaurès à Figeac. Ah. Donc, il suffit de voir ici, avenue Jean Jaurès. Ah, c'est un choc hein, quand même. Qu'est-ce que tu dis ? Une terrasse. Oui, parce que la civilisation, pour toi, c'est un peu la terrasse. Hein. Un minima. Terrasse. Bien garni. J'aimerais bien qu'on puisse prendre une bière et s'asseoir. Ouais. Le soir, il y a un son et lumière au flambeau ici, c'est vachement sympa. Ouais, je me rappelle, je suis toujours là. Tu connais Christian ce... Non. Ah, je crois que... Non, mais la Bastiale est par là-bas, et puis la place machin, Champollion. Sortie de Figeac, on vient de remettre nos caps. Ah là là, c'est bien reparti hein. Oui. Un peu après mort. Ça monte méchamment. Dénivelé de malade. Allez, costaud hein. Ouais, après ce qu'on a descendu, c'est pas étonnant. Ah bah oui, mais voilà, il n'y a pas de virage, hein, c'est direct, droit. Tu veux dire que t'as même pas vu la côte alors? C'est la jacinthe sauvage. La bleue là. Ouais. On est presque arrivé au gîte. 10h10.
Bonjour. À la vôtre. Première terrasse. Stéphane, Olivier, à la vôtre. On pense à votre plateforme. Oh, bon, les gars. À bientôt. Ça tient jusqu'à demain. Hein. C'est la poire. La poire. C'est ça. Bravo. Elle regarde le sol, le clocher porte son ombre. Et l'ombre va directement sur le bar. Merci, bon Dieu. Je J'entends Jean 6 et j'ai
Un souffle lourd. Puis après, ce léger souffle se transforme en souffle lourd. De souffle lourd en ronflement certain. Les yeux fermés. Et Harry, comme ça. Donc j'ai commencé à siffler, à souffler. Faire des petits bruits. Mais après, tu m'as fait que des nuits. Donc je me suis levé. J'ai retiré le téléphone d'Harry que j'ai volé sur la table. Et je l'ai bordé. Attention, attention. Allez, mesdames et messieurs. Ah, il y en a des comptes à moi. Ouais, je vais réguler, moi, bravo. Et voilà, chef, merci beaucoup. Merci, voilà, mon petit Harry, c'est prêt. Ah, je me suis régalé hier. Allez, Thierry, à bientôt, peut-être. On est en vacances, hein. Les conditions extrêmes, les gars. On n'avait pas encore eu un départ dans la brume, hein. Ah, c'est superbe. C'est la plus longue étape. Hein. Bon, je suis content. J'ai nettoyé le bas de mon pantalon. Enfin, il quand je l'ai. Et oui, je l'ai mis sur le radiateur. Ah, parce que eux, ils ont un radiateur, s'il vous plaît. Alors, qui est-ce qui chasse, votre mari? Ça, c'est un carlin ou bien c'est un bordeaux français? Gentil, gentil. Et c'est vous qui avez disposé ces pierres de part en part? Et alors, ça veut dire quelque chose, ces pierres que vous avez mises?
Non, c'est que ça veut dire qu'on est au Cos, dans le Cos, voilà, dans le Cos. C'est pour signifier qu'on est dans le Cos. C'est la pierre de, du coin. Pierre, ouais, oui, c'est la pierre d'ici. Ah, très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci. J'ai ici une soupe. En fait, je suis venue là pour ça. Ah ouais, pourquoi pas pour dire aux copains. Et là non, aussi, c'est... bienvenue. Ah mais c'est mignon. Ben voilà, ça c'est... Ça c'est bien. Pour le genre de bazar. Ah j'avais pas... Regarde, mais Gréalou, c'est derrière. C'était... Ah non, non, je connais. Grealou, je connais. Non, mais regarde sur la carte, c'est quand même pas. Là, l'église dans laquelle, devant laquelle on est passé. Et non non, il y a la grande église, là, c'est tout petit, un tout petit truc. On y va là, on est tout près du dolmen. On est pas loin. Faut jeter un œil. Excusez-moi, mais je vais enlever mes pompes. Aïe. Oh pétard. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah ouais, il faut brûler ouais. les pieds déjà. Ah bah Christian, il faisait la sieste à chaque fois qu'on pique-niquait, à chaque fois. Eh oui, mais c'est un beau temps. Ouais. Et moi, je le veillais, en 10 minutes. On dirait une tête de cheval, là. Regarde la crête, comment elle est désertée. Moi, je sens déjà que je vais avoir du mal à m'en passer, même de ces marches. Oui, bah moi, ça va se continuer, hein, les 5 km le matin. 5 km, une heure d'activité déjà là-bas. Dans ton quartier. C'est ça.
Très bien. Je vous demande s'il vous plaît d'être à l'heure, parce qu'en fait, on a des contraintes. Ok, parfait. Les camarades de la 5, ils sont là. Oh, Michoko. Ouais, c'est ça. Les marques de bronzage. Ouais. Avec les dragons. Ah ouais. C'est dingue, hein. C'est noir et blanc, hein. Voilà, et oui. Tentum. J'envoyais des trucs, préparez-vous aussi. Ah, ah oui. Et il me disait, là c'est bon. Comme Christian, disons, on voulait dire, lâche-les un peu. Lâche-les un peu. Ok, c'est Kakina. Ouais. J'aime bien ce petit côté amer. Ah, sympa. C'est minimaliste. Hein. Les gens qui entendent ce bruit-là toute la journée, ça doit être un peu énervant. Oh. Attention, il y a très vite. Hein. Bonne Bonjour, journée. Le brochet est à vous. C'est sur cette rive là, c'est pas sur l'autre rive. C'est sur cette rive là, et tout à fait au bout, vous allez voir, ça monte comme ça. On croit que c'est un cul-de-sac, et après il y a un escalier qui. Merci monsieur, bonne journée. Bonne journée. Allez les gars, 18. Ouais, sous le soleil, heureusement, pour ce dernier jour, amitié. Harry, Laurent, Christian, Luc. Et lui, qu'est-ce qu'il a mis? Superbe, merci pour les profs. Les pauvres parisiens. Thank you.
escalier, ça. Non, c'est pas le pied ce matin. Merci. C'est quoi ton idée? J'ai pris une super voiture en photo. Une Ferrari. C'est de la bombe. Bonjour. Mais vous êtes le prince Mario. Sont remontés. censuré. Oui, censuré. Ah, vous êtes sur le bon chemin. Oh non. Non, on rigole. Non. Bien, châtie bien. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime les gens? J'adore les gens. Moi. Et ici, elle rigole pas. Hein. Ah, un problème de voix. C'est vrai qu'on l'entend plus depuis 10 minutes. Notre ami Laurent, je pense que... Il voulait pas s'arrêter. Oui, je comprends. Et s'il s'arrête, déjà qu'il... Ouais. C'est excellent, 50 mètres moins long. Thank you.
va voir. Hein? On a un temps magnifique aujourd'hui. Pas trop chaud. C'est coquelicot, c'est incroyable. Tracé de cage à Limogne sans arrêter. Alors voilà, nous sommes à Limogne-en-Quercy. On vient de terminer notre périple à 14h30 et on a fait 172 km en tout cette semaine. Ah, officiel. Nous sommes le 21 et 05. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup monsieur. On refait un bon en passant par ici. Ok. Bien, les gars. Alors, toi, c'était bien protégé comme ça ou pas? Non. Merci, oui, voilà. Bah oui. Et voilà, c'est parti. Et voilà, merci. Vous allez où? Alors, on va à Paris. Et que vous arrivez à midi 5, à midi, si après vous ouvrez la boutique pour reprendre des bananes et machin des milieux. Elle a dit non, non, c'est fini. Rendez-vous pour des bananes. Merci, au revoir. On est au quart d'heure, on n'a pas dépassé encore ou pas? C'est une voiture comme ça qu'on avait pour venir. Oui, si vous voulez. Pas chauvine, madame. Et voilà. Bon, retour à Paris. Bon, nous, on ne viendra pas à Paris parce que ma mère ne veut pas aller à Paris. Alors, moi, je voudrais bien y aller, mais il ne veut pas. Ah ouais. Merci, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Allez, bon, allez, merci. Qu'est-ce que vous dites de ça? À Maurice, je connais, il est à 13 degrés. Hein. Ouais. Et donc, il est du côté de Paysage, de ça, là, je connais. C'est bon ou pas? Oui, j'ai mis le caillou. Il est correct, le domaine, à Maurice. Ouais. On vous l'a donné? Non, ben non. Non, mais il est bien. De toute façon, dans le chaos, il se fait quand même du bon. Il y a les gros viticulteurs, ceux qui le font à la grande échelle. Il y en a un théâtre et tout, là, il voulait tout casser. Vous savez ce qu'il faisait? Il refaisait fermenter du vin avec le marc du vin. Il remettait de l'eau et du sucre. Et il appelait ça le robinet d'amour. C'était un robinet d'amour, si vous voulez. Si vous mettez de l'eau dans le vin, c'est pareil. Seulement, comme c'était sucré, ça plaisait, et bien il s'est chopé par la tamise des froides. Alors, il faut retirer ses bouteilles du vin, peut-être qu'il a attrapé une amande. Mais quels ne sont pas les truands maintenant, monsieur? Il n'y a que des truands dans le monde. Il n'y a que de tas, que de tas, que de tas. Vous
pas le pire. Mais sûrement. C'est pas le pire. Allez. Ah non, c'est pas la même cadence qu'au départ. Merci pour salut, tout, les gars. Salut. Merci pour cette merci semaine. À vous. Ouais, merci, merci, les gars. C'était bien. Puis, on reste en contact sur Compostelle. Compostelle 3 maintenant.